Septième lune, pas mal au zénith, peut-être pas tout à fait, peut-être demain. Alors je la prends là, de l'intérieur du port ouest, dans l'enceinte. Voilà, là c'est une sortie qui est fermée à cette heure-là, puisqu'il doit être 18h30 passé. Alors là nous avons accès à la Darceauturière par ce portail là. Et en fait, d'ici, on a une vue sur la Darse militaire, un peu cachée, avec le parking des voitures. Voilà, les gros bateaux. Voilà, on est dans l'enceinte du port. Alors donc, en passant par le portail là, on a accès à la Darse, le port est. Et de l'autre côté, c'est la Darse sud. Donc c'est dans le paysage, à la prochaine séquence. Il manque le soleil pour illuminer les couleurs de cette fleur, mais c'est déjà pas mal. Autrement, il y a aussi ces plots là qui sont colorés, qui sont assez connus sur les photos à La Réunion. Voilà les plots, différentes couleurs. Bon, nous, on va aller côté sud, en fait. Allez, on va se pointer par cette route, là-bas. Avançons un peu. Allez, septième lune et quai sucrier, là. Ce sont des quais. Et là, donc, les silos à sucre, le haut. Les engins qui versent dans les soutes. Et tout ça, on est entre chien et loup, là. Là derrière tout ça, il y a l'océan. Alors, je suis au-dessus de la base nautique de nuit. Voilà, alors là, on voit les bassins. Farge. Alors là on voit les deux jetées de l'entrée du port ouest et devant c'est la Darse de Grande Plaisance. Alors il y a quelques chauves-souris qui volettent. Là-bas au loin l'ancienne usine électrique du port. Allez, on contourne tout. Tout ça surmonté de notre belle cousine. Bon, au loin, vous allez entendre, c'est un meeting politique puisque c'est quelques jours avant ce week-end les élections. Donc, ils sont en train de causer là. Donc, ne pouvant pas filmer autrement qu'avec le fond, ben voilà, je filme comme ça. Je voulais aller me promener sur la Darse, mais avec ces discussions là sur fond sonore, c'est pas tellement intéressant. Il y a un petit bateau qui se promène par là-bas.